Ça va, t'es qui? Rends-toi, t'es cerné. Et il est là, près des rochers. Rends-toi, t'es qui? T'es coincé, tu te fatigues pour rien, là. Oh non! T'es qui? On sait que t'es là. Allez, rends-toi, c'est fini. Allez, montre-toi. Sors de ton trou. Tu le vois? Ouais, je crois qu'il est par là. Alors, qu'en dis-tu? Pas mal. Pour un convoi funéraire. Ah, c'est vrai, je pensais qu'on devait illustrer le thème de la musique, de l'amour, de la joie de vivre avec ne serait-ce qu'une paire de petites poupées. On ferait l'affaire. Tu veux plaisanter? On montre la vie sauvage en Australie, pas une brochette de mannequins. Dans ce cas, prenons de belles aborigènes. Ah, c'est pas très compliqué, Matt. Je connais une fille bien mignonne qu'on pourrait prendre au passage. En maillot de bain, elle fera un effet du tonnerre, vous verrez. D'accord. Je croyais que vous teniez à avoir le trophée, c'était pour vous aider. Sonny, je ne vois pas Hector ni Skippy. Hector est dans le secteur, mais je n'ai pas vu Skippy depuis hier. Tu devrais vite le retrouver, on va partir dans quelques minutes. D'accord, papa. Qu'est-ce que tu fais, Marc? Il faut que la guirlande fasse le tour. Et va bien jusqu'au bout du char. Oh, papa, tu parles d'une corvée, ce truc. Au départ, souviens-t'en, Sonny et toi, vous étiez enthousiastes. Je vous avais prévenu que ce serait du travail. Faut toujours bien faire ce qu'on entreprend, mon garçon. J'espère seulement que l'idée de Sonny, qui tient à faire un tableau vivant, va donner quelque chose de bien. Ah, il y aura des filles sur tous les chars. Nous, on aura un kangourou et un émeu. Allez, Hector! Si tu le fais bien, tu auras une orange. Fais un effort, Hector! Avec ton entraînement, tu dois y arriver, je t'assure. Tiens, Skippy est là. Alors, Skippy, où étais-tu passé? Tu vas donner à Hector de vilaines habitudes. La police? Je vais voir ce qu'ils veulent. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que c'est, donc? Un char de carnaval pour la parade de cet après-midi. Ah oui, oui, bien sûr, c'est ça. Superbe. On est un peu pressé, à vrai dire. Mais si je peux vous aider? On tente de retrouver des diamants qui ont été volés. Des diamants? Il y en a pour au moins 30 000 $. Il s'agit d'un collier. Et pour dénicher le voleur, Teki et Vance, dans le parc, là, il me faut votre autorisation. Pas de problème. Et est-ce qu'il est dangereux? Non, pas que je sache. Pickpocket, malfaiteur, oui, mais il n'a jamais fait de mal à une mouche. Ceci dit, les gens changent. On fera attention, et vous, soyez prudents. Je vous remercie. Ah, et puis, bonne parade, alors. Merci.
Non, Skippy, les pattes bien devant toi, souviens-toi. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve ça parfait. Et si on a le prix du char le plus original, ce sera grâce à toi, Sonny. Mais ne comptez pas trop dessus. Tu es sûr qu'ils vont vouloir rester là pendant tout le temps? Le défilé dure 2 heures et il y aura un bruit fou. Ne t'inquiète pas, ils vont rester sages, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des pétards qui éclatent, ils sont même entraînés pour ça. Très bien, puisque tu le dis. C'est toi qui as le blason de la réserve? Eh, il vous reste quelques minutes pour vous changer, les garçons. Je vais attacher la remorque. Vous deux, restez en place. Et ne touchez à rien. Skippy, je te fais confiance. Yep. Allez, Jerry, on se dépêche. Je les ai. Vous êtes très élégant. C'est bien, Marc, mais arrange donc la guirlande pour que ce soit symétrique. Tout de suite, pas. Tu es sûr qu'on n'a rien laissé? Si, l'évier de la cuisine. Vous voulez qu'on le prenne aussi? Très drôle. Allons-y. Tout est prêt, Marc? C'est bon, pas. On peut y aller. Comment ça va derrière? Regarde! Il me faudrait un périscope, j'y vois rien. Heureusement qu'on n'a pas de poupée, comme tu dis. Imagine un peu ta frustration de ne pas les voir. Oui, je t'écoute, Skippy. Oh, tu exagères. De toute manière, on n'en a pas pour très longtemps. Tu verras. Tu aurais de la petite monnaie? Pour quoi faire? Pour le péage, évidemment. Ah non, je suis fauché. Je comptais vous emprunter un peu d'argent. Vous devez en avoir, non? Je n'ai que mon chéquier sur moi. Mais désolé, on n'accepte pas de chèque, c'est une somme dérisoire. Ah, mes enfants, demandez-leur, ils ont probablement de quoi vous payer. Pourquoi on s'arrête? Comment veux-tu que je le sache? Est-ce que vous avez de quoi régler l'autoroute? Désolé. Hein, merci. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez, on se dépêche de dégager, là. Thank you.
sort celui-là? On peut laisser passer, s'il vous plaît? Merci. C'est bon? C'est bon, allez-y, c'est tout droit. Et où allez-vous comme ça? Laissez-moi passer! Laissez-moi passer, je vous dis! C'est l'ouvrier! Ah oui, je vois. Le seul char qui n'a pas de jolie poupée, évidemment, c'est le nôtre. Tant mieux, c'est une preuve d'originalité. Ah ben voilà des belles poupées! Des nouvelles? Ne va surtout pas le répéter, mais il me semble que la parade va commencer. On va suivre les majorettes, ça devrait être déridé. Ah, enfin une bonne nouvelle! Thank you.
parade empruntera Macquarie Street, puis traversera Shipley Square, avant de tourner dans Elizabeth Street et George Street pour s'arrêter au sud de Sydney. Le cortège se trouve actuellement à Shipley Square et vient de dépasser le grand bâtiment qui abrite le siège social des établissements Qantas. Le cortège se dirige vers l'hôtel Wentworth avant de tourner dans Elizabeth Street. Cette année, la parade est particulièrement imposante. Elle mettra environ une heure et demie pour passer à tous les endroits prévus. C'est le défilé le plus long de l'histoire du festival et certainement le plus spectaculaire. Mark ! C'est encore ce type ! Tiens-le, Sonny ! Attrape-lui la jambe ! Attention, ne pas tomber ! Tu es raide comme un piquet, tu pourrais les saluer. On dirait que vous allez à l'abbaye de Westminster pour y recevoir la couronne. Laisse Stephanie tranquille ! Mark, aide-moi ! Tu vois que les gens apprécient le travail bien fait, hein ? Ça ne peut pas être pour nous, c'est sûrement pour les suivants. Jette-le dans la rue! Facile à lire! Mais c'est mon frère qu'on fait! J'avoue que je comprends mal ce qu'ils ont à applaudir comme ça. Écoute, il faut une annonce. C'est du défilé, mais je n'arrive pas à bien distinguer de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, la foule semble intriguée et ravie, et c'est là l'essentiel. Voici le char de la Côte Dorée qui participe chaque année à notre parade. Bienvenue à ces fidèles visiteurs du Queensland. Cette année, le thème qu'il nous propose est celui des plages de sable du nord du pays, surmontées par deux albatros. Chaleureux à ce qu'il nous propose cette année. Et c'est d'une grande originalité, il faut bien le dire. Nous n'avions jamais C'est ce que j'ai toujours dit. Quand on donne 200 ans et qu'on réfléchit un peu, on est récompensé de ses efforts. Un émeu encadrant le bouclier australien. C'est un spectacle charmant et haut en couleur auquel nous assistons avec beaucoup d'émotion et une belle bagarre. De l'émotion et de la bagarre ? Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Les coups de poing que distribuent ces jeunes garçons semblent parfaitement réels. Des coups de poing maintenant ? Je vais regarder. C'est vraiment un spectacle exceptionnel auquel... Je le tiens, vas-y. C'est vrai, lâche-le. Voilà des parties. Je n'y vois absolument rien. Mais les gens ont l'air d'apprécier, c'est l'essentiel. Ça doit être Skippy qui les amuse avec ses pifforés. Oui, ça doit être ça. Descendez de notre char, ça suffit. Pousse-le, Mark. Quand même. Mais pas Toto. Mais il est complètement fou, ce type. Attention, Sonny! Skippy!
cache là. Après délibération du jury, le trophée du char le plus original de la parade est attribué au... au parc national du Warata. Je tiens à m'associer aux membres du jury pour féliciter Matt Hammond, le gardien-chef du parc, ainsi que ses assistants pour leur participation remarquable et remarquée à la parade de cette année. Alors, Hector, ça t'a plu, oui? Tu l'as eu, ton trophée, hein? C'est quoi votre dicton sur le travail bien fait, Matt? En tout cas, il y a une corvée que vous n'aurez plus à faire. Quoi? Tu ne veux pas remettre le trophée en jeu? Tu vois, il y a un autre dicton. Il faut savoir s'arrêter quand on gagne. Allez, viens, mon petit garde forestier. Cette journée t'a épuisé.